Voici 5 actifs dans lesquels les riches investissent. Aujourd'hui, si tu souhaites acquérir une certaine sécurité financière, une certaine liberté financière, quelle que soit ta provenance sociale, quel que soit ton métier, que tu sois salarié, entrepreneur, peu importe, il faut que tu investisses. Et laisse-moi te dire une chose, c'est que moi j'ai été étudiant, salarié, investisseur et maintenant entrepreneur. Le meilleur moyen pour être millionnaire, c'est le salariat. L'entrepreneuriat, c'est compliqué. L'entrepreneuriat, c'est difficile, mais le meilleur moyen de devenir millionnaire, c'est grâce au salariat. Le salariat peut te permettre d'avoir accès à des actifs qui vont te permettre de t'enrichir sur le temps. Donc, bienvenue sur cette vidéo. Donc là, on est en mode vlog. Donc là, on doit faire quelques courses avec Nicolas. Et on va te partager 5 actifs dans lesquels tu peux investir. 5 actifs dans lesquels tu peux investir et te générer plus d'argent. Oui, mais aussi plus de connaissances qui peuvent te rapporter de l'argent. Le premier actif, c'est toi-même. C'est-à-dire, tu dois investir aujourd'hui dans tes connaissances. Et je vais dire quelque chose de direct. Aujourd'hui, tes finances, c'est tout simplement la conséquence ou le reflet des connaissances que tu as entre les deux oreilles. Moi, j'ai fait des écoles de commerce. J'ai payé plus de 50 000 euros pour mes écoles de commerce. Je n'ai jamais gagné plus de 2000 euros par mois et plus de 3 500 $ canadiens lorsque je suis arrivé au Québec. Pourtant, aujourd'hui, j'ai pu bâtir un parc immobilier de plusieurs millions, mais je n'ai pas appris à l'école. Donc aujourd'hui, il faut te poser la bonne question de te dire, ok, comment les autres font? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont dire, oui, tu vends des formations, etc. Oui, c'est vrai, je vends des formations, je gagne de l'argent avec des formations. Ça, c'est vrai. Mais au-delà de ça, je ne suis pas en train de vous dire d'acheter ma formation, mais allez vous former, les gars. Allez lire des livres, allez juste même lire des biographies. Vous allez lire des biographies des personnes à succès. La lignée sera la même. Connaissance, sacrifice, développement personnel, etc. Ça, c'est le premier actif. Le plus gros actif, c'est vous-même. Le deuxième type d'actif dans lequel vous pouvez investir, c'est tout simplement l'immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier, que vous le vouliez ou non, ça monte. On est de plus en plus nombreux sur Terre. Il y a de moins en moins de logements. Il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 2, bac plus 3, bac plus 8 pour comprendre ça. C'est l'heure de l'offre et la demande. Présentement, on est au Canada. Au Canada, il y a une crise du logement. On demande des centaines de milliers d'immigrants et il manque plus de 100 000 logements par an. Donc, pareil, la loi de l'offre et la demande, les prix vont monter. Donc, achetez de l'immobilier. Le troisième type d'actif dans lequel vous pouvez investir, c'est tout simplement des entreprises. Aujourd'hui, vous pouvez prendre des actions dans des entreprises, acheter des actions d'entreprises prometteuses, des startups, etc. Bien évidemment, vous devez faire votre due diligence de voir est-ce que c'est rentable ou pas. Investissez dans des entreprises. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis actionnaire de plusieurs entreprises, j'ai investi en bourse, etc. Ça donne également des revenus de partie. Mais bien évidemment, vous pouvez le faire lorsque vous avez déjà un certain capital à mettre de côté. Okay? Le type d'actif dans lequel les riches investissent, c'est tout simplement les assurances vie, mais pas n'importe quel type d'assurance. Parce qu'il y a des personnes qui confondent assurance vie et assurance décès, capital décès. Là, je vous parle du type d'assurance qui peut vous permettre d'avoir accès à l'argent que vous mettez dans votre assurance à l'instant présent. Je donne un exemple. J'ai une police d'assurance dans laquelle je mets 25 000 $ par an qui me protège en cas de pépin et qui me protège pour mes vieux jours et c'est des montants auxquels j'aurai accès à mes vieux jours. Par contre, je peux avoir accès à mon argent que je mets à tous les ans sous forme d'emprunt. Donc, ça peut me permettre de faire travailler mon argent à plusieurs endroits en même temps. Je vais donner un comparatif par rapport au REER. Aujourd'hui, vous allez mettre de l'argent dans le REER. L'argent, il est bloqué jusqu'à votre retraite. En mettant votre argent dans l'assurance, vous prévoyez votre retraite, mais en même temps, vous avez accès à votre argent en cas de besoin sous forme de prêt. Donc, votre argent travaille à deux endroits en même temps. Imaginez, vous avez mis 100 000 $ dans votre REER. Vous ne pourrez pas le récupérer à l'âge de votre retraite. Par contre, vous pouvez emprunter 80-90% de l'équivalent de ce que vous avez mis dans votre pour investir en immobilier. Pendant que votre argent travaille dans le REER, dans votre assurance, on va dire, à la place du REER, vous pouvez avoir ce même argent qui travaille ailleurs. Et ce bien immobilier, vous pouvez le refinancer pour acheter un autre bien immobilier ou pour acheter un véhicule comme celui-ci qui peut vous permettre de générer de l'argent. En parlant d'actifs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui, Florian, tu achètes une Maserati à plus de 100 000 $ et tout. Tu parles d'investissement, etc. » Ce véhicule-ci, c'est un actif. Donc, le quatrième type d'actif dans lequel vous pouvez investir intelligemment, bien sûr, et après avoir fait certains investissements, c'est des véhicules haut de gamme. Par exemple, ce véhicule-ci, ça me permet de générer de l'argent de trois manières. Donc, d'une part, ça me permet de payer moins d'impôts. Deuxièmement, c'est un outil marketing. Moi, j'ai vu, hein, ceux qui me suivent, depuis que je roule dans ce type de véhicule, ben, bizarrement, j'ai plus de vues sur Instagram, etc. Donc, forcément, moi qui suis un marketeur en ligne, ça va me permettre d'avoir plus de visibilité et d'attirer plus de clients par rapport à mes formations et par rapport à mes services d'agence de marketing. Donc, également, les véhicules, ça peut être un actif. Une troisième façon de gagner de l'argent avec des véhicules, c'est tout simplement de mettre sur Turo. Donc, par exemple, ce véhicule-ci, Maserati, je l'ai mis sur Turo et je loue ce véhicule jusqu'à 500 $ par jour. Donc, vous voyez, vous pouvez également transformer des passifs en actifs. Donc, vous voyez comment vous pouvez vous générer plus de sources de revenus à travers, par exemple, un véhicule ou à travers un autre investissement. Okay? Le cinquième type d'investissement que les riches font, c'est tout simplement investir envers les autres. Quand je dis envers les autres, c'est-à-dire c'est quoi? C'est, vous avez plusieurs façons de faire, de transmettre des connaissances, de partager vos connaissances envers des personnes, d'engager des personnes qui vont travailler dans votre sens. En tout cas, d'avoir des personnes qui vont aller dans votre sens. C'est un peu ce que je fais à travers mes vidéos, c'est également
un peu ce que je fais à travers mon équipe, c'est qu'aujourd'hui, voilà, j'ai une trentaine de personnes qui travaillent avec moi, mais je ne les considère pas comme des salariés, je les considère comme des partenaires parce que moi, mon but, c'est quoi? C'est d'investir en eux pour qu'on grandisse ensemble. Ils grandissent individuellement, mais ils m'aident également à grandir. Pourquoi? Parce que par exemple, cette vidéo qui est tournée, c'est pas moi qui vais la monter, c'est pas moi qui la filme. Il y a des personnes meilleures que moi pour faire ce type de tâches, mais il faut également empower, je sais pas comment dire en français, mais c'est encourager les personnes à faire de meilleures tâches en investissant en elles. Vous avez vu peut-être la différence entre mes vidéos de 2018 et mes vidéos de 2023, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que j'ai investi en certaines personnes qui m'aident à produire du contenu de meilleure qualité. Ils sont rémunérés en conséquence, ils ont des avantages, mais ils m'aident également à produire du meilleur contenu. Mais c'est un investissement que j'ai fait en eux. C'est-à-dire que bah, je vais acheter du matériel, je vais leur acheter des formations, je leur permettre d'avoir des compétences leur permettant d'être plus valuable sur le marché. Donc clairement, j'ai fait cette courte vidéo pour vous partager les différents types d'actifs dans lesquels vous pouvez investir. Et honnêtement, il y en a plein d'autres, hein, mais là, c'est les principaux dans lesquels j'ai investi. Et dans une prochaine vidéo, je vous partagerai le type de service que la plupart des riches utilisent. Pourquoi je fais cette série de vidéos? Parce que j'ai pas mal de personnes sur Instagram et notamment sur TikTok qui m'ont écrit en me disant, mais Florian, voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que les personnes qui ont du succès fonctionnent? Moi, j'ai eu du succès à un humble niveau, mais voilà, je côtoie aujourd'hui des personnes qui sont multimilliardaires. J'ai des coachs pour certains qui sont milliardaires. Donc, à un moment donné, il faut copier ce qui fonctionne. C'est-à-dire que moi, je vois ce qui fonctionne. Mon but, là, c'est de vous partager ce qui se passe de l'autre côté. Là-bas, c'est un autre game. Donc, moi, mon but, c'est de vous partager des rituels, des stratégies, des pratiques, une façon de voir les choses qui vont vous permettre d'aller à un autre niveau. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi savoir dans les commentaires. Tu likes, tu partages, tu mets un commentaire. Ça fera également l'objet d'une autre vidéo. Dans une prochaine vidéo, on verra un peu, comme j'ai dit, les services que la plupart des entrepreneurs, investisseurs à succès utilisent. Et crois-moi, c'est accessible au commun des mortels. Et ça peut te permettre de faire un pas en avant vers ta sécurité financière. Si tu as aimé cette vidéo, tu la likes, tu la partages. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Florian de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. À très bientôt. Ciao.